Salut Marc, eh ben c'est Damien, de retour de congé, petite vidéo pour faire le point sur les frelons. Tu verras, j'ai pas eu une grosse activité cette année, il y a du frelon un petit peu dans les pièges, mais franchement, après 15 jours là dans les pièges, je pense qu'il y a pas eu de, j'ai pas eu de pression comme depuis le début. Voilà, donc ça c'est le premier piège. Ça c'est en fait celui que j'ai passé par derrière, faut pas les embêter. Effectivement la tente qui piège c'est celle-là. Ou sur celle-là déjà je suis j'ai quand même plus de frelons. Mais voilà, je veux dire quand je calcule le nombre, s'il y en a une vingtaine au sol, c'est maximum quoi. Je pense que le rucher il est pas trop sujet à. Je vais pas avoir de nid autour de chez moi. Ça c'est la troisième. Encore un petit peu de frelon dans le parti piège. La quatrième ruche, là il y en a de moins en moins en fait. Alors, ce que j'ai pas vu c'est qu'avec le vent c'est un peu bougé ici pendant les vacances. Mais et enfin la dernière, mais celle-là je sais qu'elle elle a plus de reine, donc il y a très peu d'abeilles, donc est-ce que les frelons viennent moins parce qu'il y a peu d'envol, peu de circulation, je sais pas. En tout cas celle-là c'est pareil, il y a quelques frelons en haut et donc bah, tout va bien avec les. On a eu ça souffler un petit peu avec les cordes qui sont dans le kit là, ça a pas du tout ça a pas bougé, un petit peu de poids sur le bas plus les cordes, rien ne bouge, les boîtes avec les élastiques ça tient parfaitement, même en 15 jours on peut partir sereinement en vacances, ça qui est bien. Et puis voilà, c'était vraiment une vidéo rapide, là je reviens de congé et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du rucher. Donc la ruche qui piège le plus c'est celle-là et celle qui fait le moins c'est celle-là. Allez, sur ce bah, je t'envoie la vidéo et la prochaine ça sera sûrement le j'ai renouvelé le traitement lanière acide oxalique sur celle-là. Là c'est de la pivard, j'y touche pas, et les deux Kenyan. Faut que je refasse ça et on voit que là elles ont. En bas là, on voit qu'elles ont consommé elles ont grignoté les lanières. Je pense que là j'en ai une qui est tombée. Là, on voit qu'elles ont grignoté les lanières, donc c'est-à-dire qu'il faut les changer. Je ferai déjà un petit comptage sur cette planche avant de faire le traitement. Pareil sur les autres, là, voir après, surtout celle-là, je vais voir après la. À Pivard, là, ça fait 15 jours. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce qu'il en est au niveau de la chute varroa, parce que j'étais à un comptage assez élevé sur celle-là, plus de 10 par jour. Allez, je t'envoie ça à la prochaine. C'est Damien, salut!